crédit photo, Dr Chimène Badi poursuit sa route. Crédit photo, Dr Chimène Badi poursuit sa route. Révélée dans Popstar, la chanteuse a célébré ses 20 ans de carrière l'an dernier avant de publier un album de reprise d'Edith Piaf, Chimène chante Piaf. Après une réédition de son projet, écoulée à près de 50 000 exemplaires, Chimène Badi enclenche désormais une nouvelle ère. Il y a des choses auxquelles je pense. Mais je peux rien dire, j'y réfléchis, et je n'en ai parlé à personne encore. Nous confiait-elle en interview il y a un an. C'est désormais acté. Le player Dailymotion est en train de se charger. Var configuration égale new object. Configuration.video égale x8h376i.virgule configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16:2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, noir c'est noir. Il n'y a plus d'espoir en effet, Chimène Badi s'apprête à proposer un nouvel album de reprise en novembre prochain, qui sera la suite de son projet gospel. À l'époque, elle revisitait des standards américains et français comme Ain't No Mountain High Enough avec Billy Paul, Proud Mary ou Ma Liberté de George Moustaki, et il s'en était écoulé plus de 300 000 exemplaires. Sur son compte Instagram, l'artiste annonce donc l'arrivée prochaine de Gospel and Soul, La Voix et l'Âme, un disque qui sera composé de reprises de titres intemporels de Céline Dion, Amy Winehouse ou Michael Jackson, mais aussi de chansons inédites signées Icar ou Tété. Pour démarrer cette nouvelle aventure, l'interprète de Entre nous propose une relecture d'un titre très connu de Johnny Hallyday. Comme un hommage à celui avec qui elle a déjà partagé la scène, Chimène Badi revisite Noir c'est noir, sorti à l'origine en 1966. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, oui gris et c'est fini, oh, 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 oh ça me rend fou, j'ai cru à ton amour et je perds tout ce qu'en d'ici. Chimène Badi sur une nouvelle version 60s, accompagnée de trompettes et de chœur. De son duo culte avec Johnny, Chimène Badi confiait, Johnny ne triche jamais. Hors scène, j'ai la chance de le voir comme il est vraiment, plus timide, plus réservé. Grâce à lui, je n'ai plus eu peur de monter sur scène. Je peux lui dire merci pour tout ce qu'il m'a apporté et pour sa passion.